à toutes. Ouh là là, comment ça résonne. Ah, moi je kiffe les... Comment allez-vous aujourd'hui en ce nouveau jour? Nous sommes lundi, je vais mettre mes lunettes. Même ça se trouve... Est-ce que je suis trop pâle? Voilà. Parce que quand tu sors d'un truc noir à un truc blanc, automatiquement, normalement, ça fait grosse lumière et on voit rien. Comment ça va? Nous sommes à Narbonne aujourd'hui. Regardez cette magnifique ville de Narbonne. Avec donc, on va commencer par dire bonjour. Comment ça va? Bonjour. On l'a déjà dit. Bonsoir. Bonsoir. Carlito, McFly. Tout à fait. Mais dites pas bonsoir comme ça. Bonsoir. Donc, ouais, je sais que ma soeur à Narbonne. Pourquoi? Parce que en fait, elle a deux lieux à me montrer, entre guillemets, d'urbex. Parce que, entre guillemets, parce que le premier, on s'est mangé une crampe. Merci. Et le deuxième, on va se manger une crampe parce que c'est sur la rue piétonne du centre-ville de Narbonne. Ouais. Donc, à mon avis, ça risque d'être tendu. Voilà. Donc, voilà. Après, on va faire 2-3 courses. Ce qu'on n'avait pas, en fait, tout... Ouais, tous les produits internationaux, style asiatique et tout ça, en fait, qu'on n'a pas trouvé en Espagne, automatiquement, il faut les prendre que à Carrefour. Voilà. Et après, on rentre. Après, elle va me refaire une tresse. Parce que finalement, la sienne, regardez, je lui ai fait ça hier. Voilà. La mienne était beaucoup plus belle que la sienne. Et donc elle va me refaire la mienne parce que bah voilà, la mienne moi je l'ai enlevée parce qu'elle était moche. Mais c'est le fil. Voilà. Donc elle va me refaire ça cet après-midi. Après j'ai un montage aussi vidéo à faire. Et après on décolle pour Châteauroux. Wouh. Oh, puis moi je vais garder ces mots. Wouh. Et gratuitement. Grave. C'est surtout ça. Allez, je vous fais 2-3 petits plans de Narbonne. Ce bâtiment là, juste là, je ne savais pas qu'on pouvait qu'on pouvait passer en dessous. Ça, c'était un bon trip. Bon, on parle, ouais, t'as vu comme ça, un bon trip de ouf. Hein. C'était pour éviter de dire que ma soeur nous a emmené encore dans un traquenard à 2 balles. Non, il y a moyen, franchement, il y a moyen. Franchement, on a vu, il y avait les fenêtres cassées un peu, donc c'était stylé. Je l'admets. Mais il n'y a pas d'entrée, il y a des barreaux fenêtres partout, il n'y a qu'une porte pour rentrer et la porte en gros c'est, elle est cloutée de l'intérieur, donc en gros faut la défoncer. Ou les égouts. Ouais, j'avais pensé les égouts, mais bon, c'est d'une pierre deux coups, c'est soit tu soulèves les égouts et en gros tu passes et en gros voilà, t'es bien, tu pues quoi. Ou soit tu te retrouves en galère. Genre en mode, oh, on est dans les égouts, mais on peut pas sortir des égouts. Et après, on se transforme en tortue ninja. Mais au moins, on bouffe des pizzas. Ouais, mais les pizzas, ouais, ça va qu'un temps les pizzas, quoi. Vraiment ? Tu préfères être qui dans les tortues ninja ? Donatello. Donatello ? Mmh. Michel-Ange ? Ouais. Mais qui rigole tout le temps. Il est pas sérieux. Ça peut être que moi. Grave. Bon, donc voilà. Donc, c'était un urbex loupé. Merci Billy Joe. Donc petit retour de course de la lessive de Marseille. D'ailleurs on me fumait. Alors en fait à l'origine j'y allais pour ça. J'allais pour les nouilles sautées. Donc là j'ai pris nouilles en nid et nouilles normales. J'ai pris aussi donc du lait de coco. Ça on n'en trouve pas partout. J'ai fait un petit tour. Donc au rayon en fait, je sais pas si vous avez ça dans votre Carrefour, donc rayon discount, donc là 97 centimes, ça fera l'affaire pour les 2 jours. Et on a pris de la confiture comme ça en gros pour 2 raisons. Donc la première raison c'est pour faire des roulés feuilletés et tout ça, donc avec de la confiture, et aussi pour les yaourts, parce que comme ça ça coûte moins cher de l'acheter, parce que ça coûte 1,20€.
les 750 grammes, et je pense que au niveau niveau prix, ça, c'est le bas de gamme. Hein. Donc au niveau prix pour les yaourts, je pense que ça va. Et aussi comme ça, on a pris, j'ai pris des grands pots en verre et non des trucs voilà, des petits pots. Comme ça, on a les grands pots. Et on vous a pas montré hier. On s'est arrêté quelque part, récupérer des abricots. Regardez les abricots, franchement, la taille de l'abricot. Normalement, c'est les petits abricots. Là, c'est un abricot, c'est une pomme, quoi. Voilà, enfin bref, allez, je vais... parce qu'en fait, je suis parti à la poste ce matin envoyer mes commandes et j'ai complètement oublié d'aller chercher un colis, donc je vais y aller vite fait. Un petit thé. Et le petit thé aux réglisses. Aux réglisses. Bon allez, je vais à la poste vite fait. Donc pourquoi mon colis vient du Japon? Pourquoi? Japan. Japan, Tokyo, Japan. Ouais, je trippe. Pourquoi? Parce que en fait, on a commandé avec Corinne, on a voulu faire une petite vidéo, on va faire une petite vidéo plutôt sympa. Donc c'est une vidéo dégustation de produits asiatiques, donc chinois, là japonais exactement. Donc on a commandé sur internet, donc le site, si je me rappelle bien, c'est Candysan, si je... parce qu'il y en a plusieurs, mais je crois que c'est Candysan. Au pire, je vais essayer de mettre le lien dans la description, et je crois qu'on a un lien de parrainage aussi, si vous voulez commander. On mettra aussi en même temps le lien de parrainage. Donc voilà, donc je vais faire une ouverture de colis, et je pense que cet après-midi avec ma soeur, parce que ma soeur aime bien tout ce qui est asiatique et tout ça, je pense qu'on fera la dégustation à 3 cet après-midi. Donc j'ouvre le colis, je vous montre tout ça. Donc oui, c'est bien, c'était bien Candysan. Candysan est une boutique ici Japon. Bon plan. Avant votre prochaine commande, n'hésitez pas à vous abonner sur le club Japon pour bénéficier de bons plans réduction. Donc ils ont un... bon, enfin bref, c'est pas sponsorisé, on va pas trop en faire quand même. Donc je vais aller montrer ça à Corinne, on va voir ce qu'elle en pense. Et cet après-midi, on fera une dégustation, donc ça sera une vidéo spéciale. Et en parlant de ça, en vidéo spéciale, demain, ça sera sûrement pas un vlog, parce que bah, ce soir, nous partons, et demain, on va passer la journée sur la route, donc je ne pense pas qu'on va... voilà, qu'on vlogue réellement. Donc après, il y aura des vlogs plus tard, mais demain, ça sera un tag Disney fait par les adultes, donc Corinne et moi. Et après-demain, ça sera le tag Disney fait par les enfants, donc les trois enfants, ils ont voulu refaire le tag Disney. Donc les deux prochains jours, ça sera des tags... fait par les enfants, et après on reviendra sûrement sur une... de toute façon, c'est soit il y aura la recette du flan, soit il y aura un vlog sur les effluentes. Donc voilà, pour le programme de la semaine, parce que bah, vu qu'avec les deux jours, on risque de se coucher tard, tout ça, donc je risque de ne pas monter le faire le montage direct. Enfin bref, là on est sur Candysan, hop, je vais montrer ça à Corinne, et on va voir ce qu'elle en pense. Ça c'est du chien. C'est pas écrit en français quelque part? Ah non, voilà. Du tout. Ça, ouais, ça, ça a l'air bon aussi. Ça, c'est ça. Ouais, popcorn potage. Ouais. Ah, ça. Ouais. On voit déjà si, la... ça, si, ça a l'air bon, ça. On voit déjà la tête de Corinne sans goûter. Hein. Ça, ça a l'air bon aussi. Ça, ouais, ça a l'air trop bon. Ça, ça a l'air bon aussi. Tout ce qui est sucré, ça... Et doucement. C'est quoi, ça? On dirait du pain. Ouais. Ouais. Enfin, on ne peut pas manger beaucoup à midi, quoi. Du chewing-gum. Ouais. Je sais pas, derrière, il y a quand même un poisson, quoi. Ça, c'est les trucs gélatineux, là, tu sais. Pourtant, il y a la moitié, je dois les connaître. Franchement, il y a des trucs chelous. Ouais. Ouais, je sais pas. Des pistaches, c'est les Jelly Bellies. Un peu, ouais, dans ce style-là. Ouais, bah, de toute façon, on verra tout à l'heure. Ça a l'air marrant. Ouais. Plus sérieusement, pour midi,
du bon pain fait maison. Et ça sera pâte au chorizo ce midi. On y pense à faire là, parce que on a vu que vous étiez très nombreuses à vouloir la liste des repas qu'on a faite. Donc on va vous la faire, bah, je pense dans les 2-3 jours là, on va essayer de se trouver un créneau. Genre le mec, peut-être genre un créneau tournage. Voilà, pour vous faire ça, déjà cet après-midi on va vous faire la dégustation, mais à mon avis ça va être culte. Si vraiment il y a des trucs comme je pense, genre au poisson ou des trucs comme ça, avec Corinne, je pense que ça va être mortel. Bon allez, je fais à manger. Sur Châteauroux City et demain sur les effluentes. Voilà, donc quoi dire de plus sur cette vidéo, parce que en fait vous avez compris que ce sera la fin de cette vidéo parce qu'il reste pas beaucoup de temps dans le petit truc en dessous. Voilà, donc j'ai eu un petit problème de micro en fait de ce micro là en fait, il était mal branché derrière le micro et en fait on devait vous faire un petit tuto très Saint-Yenne avec ma soeur. En fait, je lui ai appris à faire une tresse indienne tout simplement parce qu'elle faisait des tresses un peu bizarres. Bon, on l'a dit hier dans la vidéo, je ne sais plus le nom. Mais moi, je lui ai appris à faire une tresse indienne comme ça, avec plusieurs couleurs, avec des variations. Voilà. Et donc, elle me l'a faite. Et on voulait faire un petit tuto spécialement pour Jean-Philippe L, donc un de nos abonnés, qui la dernière fois nous a marqué un petit commentaire en marquant ouais genre en rigolant quand on était des hippies tout ça, et que bientôt il allait voir des tutos. Il y avait tuto guitare, tuto feu de camp et les trucs comme ça. Donc voilà, donc on voulait faire un petit tuto très Saint-Yenne parce qu'on trouvait que c'était parti dans le thème hippie, voilà, hein, voilà. Et donc finalement il y a eu un problème de micro, donc je n'ai pas toute cette vidéo, vous l'avez vu en timelapse, et vous avez vu aussi une petite dégustation de produits japonais, parce que voilà, vous avez vu qu'on a eu, j'ai ouvert le colis et en fait on a fait une dégustation, donc on a fait la vidéo, mais bon, elle n'est pas fofolle, mais bon, on l'a faite, donc on la mettra. Et on refera sûrement un acte 2, mais avec des produits un peu plus sauvages. Ouais. Un peu plus hard. Hein. Donc, je vous ai pas mis le lien dans la description, parce que je pense que j'y ai pas pensé depuis. Voilà. Donc, j'essaierai d'y penser quand je mettrai la dégustation. Et il fait très très chaud, il fait 28 degrés, il est 17h38 exactement. Nous étions en avance sur notre planning, mais vu que c'est la deuxième prise qu'on fait, parce que la première fois elle était trouble, hashtag voilà, hein, la vraie vie de youtubeur, hein, puisque toutes les prises ne sont pas bonnes. Et donc voilà, donc on va vous quitter là. Donc demain, comme prévu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura un tag des parents et après-demain un tag des enfants, et après on se retrouvera sur les vlogs normales. Donc ça me laissera un peu de temps, on va dire, de repos, surtout de montage en fait, un peu plus de temps. Bon, désolé, il n'y aura pas de créa cette semaine. J'ai pas eu le temps d'en faire une ce matin. Normalement, j'en fais une le lundi pour le mercredi soir, mais ce matin j'ai pas eu le temps. Dû aux crampes que ma soeur m'a mis à cause de ses urbex, hein, dédicace à Billy, voilà. Et donc voilà, donc on va arrêter cette vidéo tout simplement parce qu'on est en train de se dessécher dans la voiture. Bah c'est bon, hein, au moins ça nous fait perdre de l'eau, hein. On va sentir bon en arrivant chez mon frère. Ah c'est pas grave, on prendra une douche, il sera que 22h30, 23h, ouais. Au calme, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, et on vous dit donc à demain pour le tag, et sinon... Oui, j'ai baillé, hein, bah, excuse-moi. Déjà? En même temps, j'ai bossé toute la journée, moi.
négligé. J'ai fait quoi, moi? J'ai promené toute la journée. J'ai fait des courses. Ouais, et j'ai oublié, dans le retour de course, il y avait aussi des céréales nature bas prix, style Kellogg's Cornflakes, pour faire des roses des sables. Mais voilà, de toute façon, on va essayer de faire, parce que je sais que vous êtes nombreuses encore à me l'avoir marqué, ouais, comme quoi vous voulez la vidéo des repas. On va, tu l'as prise? Mais c'est sur ton PC. C'est sur mon PC, heureusement c'est sur mon PC, donc on va essayer de vous faire la vidéo, soit demain matin, filmer demain matin, ou peut-être à l'hôtel, ou un truc comme ça, de toute façon. Bon allez, on arrête, on vous dit, de toute façon vous la verrez. On vous dit donc à demain pour ça, blablabla, comme d'habitude, et tchou!